bonne initiative pour la promotion, pour répondre à la politique, pour la politique d'investigation des centres culturels dans leurs différentes provinces. Et puis le centre culturel Jean-Marie Tjibaou a une envergure internationale. Les gens d'ici ne voient pas ce que nous on fait dans le Nord. Les athées du Nord, on fait là-bas, on expose là-bas, mais ici dans le Sud, ils ne voient pas ce qui les artistes du Nord qui font aussi des choses, des belles choses aussi. On a des pointures au Nord. Je vais citer Norman Song, Clément Irusuke, Narcisse Théimbouek autrefois, maintenant il porte un autre nom, qui est aujourd'hui en résidence avec nous. La plupart des artistes qui ont fait 90, Koneva 90, plus de la moitié était de la province Nord. Donc c'est pas la première fois. Là, c'est un retour. La première chose que je veux dire, c'est déjà un privilège de pouvoir exposer ici, au Centre culturel Tjibaou. Et puis ensuite, pouvoir exposer à l'extérieur, comme le Centre culturel est très connu. Alors nous, ça nous arrange aussi, si ça peut exporter ailleurs, enfin, dans tout le pays, quoi. Moi, mon souhait, c'est beaucoup nous faire connaître, nous, en tant qu'artistes du Nord. Voilà, moi, comme en tant que vannière, je voulais me faire connaître sur la vannerie, surtout le jonc. C'est une matière qui est à vie, qui dure longtemps, c'est à vie. Il peut durer des années, 10 ans, 20 ans, elle est toujours solide. La sculpture que j'ai réalisée, c'est en hommage à tous les grands-mères qui ne sont plus. Ma grand-mère, ma maman. Enfin, tous mes mamans, quoi. On n'a pas une seule maman, on a plusieurs mamans. Des mamans d'hier, les mamans d'aujourd'hui et les mamans de demain. C'est pour les encourager encore à faire de la vannerie, de toujours garder et de transmettre. Je n'ai jamais cherché à savoir d'où venaient ces feuilles. Il est vrai que près de la cuisine, il y avait un pied de pandanus qui nous servait d'échelle lorsque notre ballon tombait sur le toit et qu'il y restait bloqué. Je ne pense pas aujourd'hui que cet arbre seul aurait pu fournir toutes ces belles feuilles que notre grand-mère suspendait sur le câble électrique noir et qui servaient alors de sèche-linge. Je la revois encore assise sur la natte des Blancs, à enlever avec son petit canif empreint de tabac les lignes de piquant qui se trouvaient de part et d'autre de la feuille de pandanus. À chaque fleur précieuse son gardien, n'est-ce pas? Alors j'ai écrit ce texte qui s'intitule La Natte, en souvenir de ma grand-mère qui avait l'habitude de faire les nattes traditionnelles. Donc dans mon esprit, c'était ça, c'était cette natte-là qui est fabriquée d'abord par une petite main, ensuite qui passe sur une coutume, et de cette coutume-là, elle va passer dans une autre famille, et après elle va être redistribuée. Donc en fait, c'était parler de la vie de la natte. Elle, comme toute chose, elle a une naissance, et puis elle continue à grandir, et elle passe de maison en maison. Chez moi, on vient, c'est toujours ça, on traite les cuits de coucou, les pandanus, voilà. Mais mon entrée dans le centre culturel de Koumemi, c'était dans les années 2000, à la création du Pova Vissila. Et on avait mis en place une association qui s'appelle Colal, Collectif des Artistes du Nord. C'est comme ça, quand dernièrement ils ont voulu faire
chercher des artistes pour l'ouverture de l'inauguration du centre. Ils ont retrouvé des brochures où il y avait, où j'étais dans leur, dans ces photos-là. Et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Donc j'ai participé à trois expos là, le cycle de la vie, et puis la suite du cycle de la vie, et puis la femme dans son environnement. Pour la ouverture du centre culturel Pomemi, il y avait un thème là qui était l'art et passage. Mais moi, comme j'étais venu d'une association de la tribu qui était habiter l'histoire et habiller l'avenir. Alors j'ai intégré ce truc-là dedans, mais qui ça marchait bien, ça coïncidait bien comme avec le thème que le centre culturel Pomemi avait mis en place déjà, l'art et passage. Alors là, j'ai fait un vieux qu'on appelle en langage le Kawenya, avec bien sûr le lien à la terre, quoi. Et c'est, en quelque sorte, c'est le vieux sage, quoi. C'est pas le chef, mais c'est un vieux sage, voilà. Et sa femme, c'est en quelque sorte c'est une fille, mais qui est de temps d'aujourd'hui. Alors que le vieux sage, c'est de temps d'ancien. Si au moins on pourrait avoir tout le temps des semaines de rencontres comme ça, travailler ensemble, rigoler ensemble, manger ensemble, c'est vraiment merveilleux. Mais bon. Moi, je suis un peu le vieux routier de la bande, mais je tiens toujours à que ces jeunes-là ne lâchent pas. J'ai commencé un peu avec le dessin depuis petit. Et après des formations à l'école de multimédia, de l'image qui se trouve sur Conné, j'ai pu faire des formations et puis apprendre, toucher un peu d'autres matières. Que la peinture, la sculpture et aussi des modules en informatique, tout ce qui est Photoshop. Sinon, ben voilà. Aujourd'hui, j'ai laissé un peu le crayon. J'ai essayé un peu de rentrer dans la peinture pour essayer de percevoir un peu comment c'est les couleurs et voir quelles couleurs vont ensemble. Pour après avoir rendu quoi. Pour la résidence, j'ai fait deux tableaux. Là, ça parle un peu du cosmos quoi, tel que moi je perçois. C'est en fait c'est l'histoire un peu de monde quoi. Le monde, comment on dit, le monde réel et le monde, le monde que l'on ne voit pas, le monde invisible. Culturel pour Mémie parce que à Pouébo on n'a pas de centre culturel, mais c'est eux qui mettent toujours en valeur nos artistes, les artistes de Pouébo, parce que c'est une commune qui est riche, on va dire, en artistes. Et puis nous on n'arrive pas, on espère, on souhaite que voilà, ça va se faire après dans la commune avec cette première exposition que le centre culturel pour Mémie nous donne l'opportunité d'y assister directement chez nous, ici dans la médiathèque. Donc on espère que dans les années à venir, on va continuer à... Puis qu'au niveau des élus, qu'il y ait une réelle volonté de valoriser nos artistes ici déjà au niveau de la commune. Ce que je souhaite, moi, c'est surtout qu'il puisse y avoir un local où nos artistes à nous déjà pourront s'exprimer et puis que nos enfants soient
pour les élèves qui puissent venir regarder et s'initier à la sculpture, aux autres arts, à la vannerie. Voilà. Donc, merci beaucoup aux artistes pour ce privilège qu'ils nous offrent aujourd'hui. Et merci au Centre culturel Bomemi également. D'abord, au nom du centre culturel, au nom de l'association Boabouavitila et au nom des artistes, on voudrait remercier encore le maire et son conseil municipal d'avoir accepté d'accueillir l'expo ici. Donc voilà, cette exposition, si vous voulez, elle est voyagée depuis l'année dernière. C'est-à-dire que d'abord, il était au centre culturel Bomemi pendant 4 mois. Et ensuite, à la fin de l'année dernière, il est parti du côté de Pueblo. Et là, cette année, il vient accoster ici à Calagomène. Donc le thème de cette expo, c'est cycle. Donc elle parle un peu du cycle de la vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort et à la renaissance. Donc à travers cette expo, vous verrez qu'il y a différentes disciplines qui interviennent. Donc vous aurez la peinture, vous aurez la sculpture, la vannerie, et puis vous aurez aussi l'audiovisuel et puis l'écriture. C'est très varié, souvent très intéressant parce que chaque œuvre est accompagnée d'un texte explicatif. Et je suis frappé par le lien qu'il y a avec la culture kanak en particulier, notamment le cycle de l'igname, le cycle de l'eau, donc avec notamment des sculptures en bois qui m'ont beaucoup, beaucoup plu, et aussi un tableau qui m'a assez troublé où on voit une scène de nature avec comme un ancêtre qui apparaît dans la scène de nature, avec quelque chose qui m'a effectivement fait penser à souvent ce que j'entends dans les échanges avec, dans les coutumes notamment, avec les coutumiers, notamment la présence des anciens dans les pierres, dans les arbres, etc. Voilà. Donc oui, quelque chose qui est très en lien avec, je pense, l'identité et la culture du monde kanak. Pas mal du tout. J'aime bien les photos qui sont ici là. Enfin, je suis plus dans la photo, donc du coup ça me plaît bien les photos qui sont ici. Mais de façon générale, j'aime bien les photos qui sont Vous êtes des artistes. Ouais. Ça va, ils se sentent plaisir. Hein. Ah oui, là, ils sont lâchés quoi. En plus, il y a 3 artistes d'ici de Calagomène. Exactement, ça j'ai entendu tout à l'heure. Donc, du coup, il y a 4 artistes de Calagomène. Il y avait Madame Loupi, Madame Beboumani, qui nous a quittés récemment. Et puis, Monsieur Ipoulesso, là. Donc, je reconnais la patte sur la sculpture qui est ici. Magnifique. Magnifique. Magnifique, en espérant qu'il y aura d'autres expositions, parce que vraiment c'est une grande première pour Calagomène. Ah, c'est super. C'est la première fois alors que je
que le Centre culturel Pomigny expose ici dans le sud. Oui, c'est la première fois et on est content que ça ait pu se concrétiser parce que c'est vrai qu'on avait lancé un appel depuis l'année dernière à plusieurs structures du sud, mais bon, voilà, il y a au moins le Centre culturel de la Foi qui a répondu positivement. Donc oui, nous, pour la première année, c'est intéressant, c'est important. Et c'est fort aussi, donc on va dire que c'est la première graine. Après, on attend la suite avec impatience. Voilà, merci. En tant que cette gourde vous inspire? Mais en fait, elle est très épurée, en fait, et puis juste le petit bouchon, il est très travaillé, et j'adore. J'adhère. Tout est beau. Ils ont bien géré les artistes, ouais. Ah ouais. Ouais. Super. Magnifique. Tous les objets, ils sont à part entière, quoi. Ricardo, t'as fait ton petit tour un peu. Oui. T'as regardé un peu ce que les artistes y font? Oui, j'ai regardé. Alors, t'en penses quoi? Qu'on a du progrès à faire encore avant d'arriver à ce niveau de travail. Mais non, c'est bien ça. Il y a du costaud dans le nord. Hein, oui, il y a du lourd. Il y a du potentiel. Ouais. Et ça nous ouvre des autres perspectives parce que rester entre nous, toujours bloqué, figé sur nos mêmes délires, on n'évolue pas. Tandis que là, voilà, on voit des travaux, par exemple, je suis en train de regarder le travail sur la rivière Jarmon. On voit que c'est recherché, il y a des nouvelles formes. Moi, ça m'inspire parce que comme je touche à la corne de cerf, et voilà, ça fait qu'il faut arrêter d'être limité. Il faut enlever les barrières et aller un peu plus loin. Non, sinon c'est bien. Le travail de la vannerie aussi, il a impressionné beaucoup les grands-mères qui sont là. Ils m'en ont parlé. Et ils sont impressionnés. Mais je trouve que c'est ça qu'il fallait ici. Il faut des échanges comme ça. La généalogie des clans. Inspire, puis regarde le ciel. Et moi, je trouve que c'est plein d'espoir. En plus, il est posé sur un totem. Et ce totem, j'adore la façon dont il est fait. Voilà, les bambous, j'aime bien aussi. Par rapport au volume, par rapport au lien entre le bambou et la terre. C'est pas de la terre naturelle parce qu'elle a été travaillée par l'artiste comme le bambou. Et c'est un bambou qui raconte une histoire aussi, même si c'est qu'une résidence, c'est une belle histoire. Oui, moi je suis le vice-président du Centre socioculturel de la Foi. Et à ce titre, nous sommes très très heureux d'avoir accueilli cet ensemble d'œuvres qui appartiennent à des artistes apparemment très divers, des supports très variés, et faisant des œuvres qui sont dans une commande, avec un mot d'ordre un petit peu, l'art et passage. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est de savoir que ces œuvres ne seront pas conservées ensemble, mais vont être un petit peu dispersées. C'est dommage, mais peut-être aussi que c'est une bonne chose, comme ça les œuvres ne sont pas figées et elles vont pouvoir partir, aller dans différents horizons, différents endroits. C'est un petit peu ma remarque. Voilà. Est-ce que tu retiens de l'arrêt passage ? De ce qu'on a fait ensemble avec tous les autres artistes. Il a donné plein de petits fruits, il a permis à plein d'artistes, de jeunes artistes, de se découvrir, de faire plein de choses aujourd'hui, de s'orienter vers des secteurs auxquels ils ne se rendaient pas. Et ça fait plaisir. Voilà. Comme quoi. Il y a du potentiel là-haut. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a du potentiel. Mais je pense que partout où il y a de la bonne volonté, il y a du potentiel. C'est ça qui est bon. C'est ça. Ben, on voit encore toutes les œuvres de ces artistes-là dans un endroit complètement différent.
Eh ben, pour moi, ça fait chaud au cœur parce que j'ai vraiment envie que ces œuvres continuent à voyager. Et puis, pourquoi pas, après, voir des partenariats avec d'autres communes du territoire, que ce soit aussi bien dans le nord, dans le sud ou encore dans les îles. Doucement, chaque chose en son temps, mais quand même, je crois que les artistes ici, vu que le potentiel qu'ils ont, ils ont encore beaucoup à dégager, c'est énorme. Et ben, je crois qu'un jour ou l'autre, et ben, le travail des artistes du Nord pourrait s'exporter hors du territoire. Bien fait, hein. Ouais. Dis-moi. Avec le canal à café. Oui, ça. Yagé. Ouais. Ça, j'ai vu ces sculptures là-bas au centre Timbaou. Ouais. C'est un des meilleurs de territoire hein, d'ailleurs. C'est bien. Oui, oui, oui. Ah, la caille. Ouais. Ouais. Tu connais bien Teddy ? Par rapport à ses œuvres, oui. Par rapport à ses œuvres ? Ouais, ouais. Un sacré. Il a baigné dedans, mais... Oui, puis il a de l'avanceur quand il regarde ses œuvres. Ouais, j'avais eu l'occasion de visiter un peu ces choses à lui là-haut. Ça me plaît. En fait, pour moi, la thématique de cycle tombé, un bon moment de ma vie, en fait, où je remets 13 ans d'études en métropole et que j'étais replongée de nouveau dans mes racines. Donc, pendant ces 13 ans là-bas, je n'ai pas que des racines. Donc, le premier tableau, on retrouve ses racines et ce lien à la terre, le lien qui est très présent ici à la nature, à la terre, au cycle lunaire, du soleil, de la mer. Et le deuxième, c'est plus un travail par rapport aux liens, les liens qu'on entretient avec nos croyances, les traditions, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, comment on se situe. On voit tellement, j'ai pris les totems, parce que c'est vrai que ça représente beaucoup l'art, c'est très présent, mais comment aujourd'hui on en voit tellement, est-ce qu'on est encore dans le sacré, qu'est-ce que c'est devenu, quelle est la place de tout ça aujourd'hui. Voilà, avec toutes nos différences, mais le lien. De la barbe du vieux, hein. Et je représentais un peu comme la rivière, voilà, un peu comme ça. Une rivière de l'eau, quoi. Et la tête du vieux, le sagaï, quoi, c'est... Mon Dieu. Et la croix. La croix, c'est comme c'est la religion qui est arrivée. Donc les soleils, quoi, par le soleil. La case qui rassemble tous les gens d'un clos, d'une tribu. Et le sang, après, rassemble tout ça, là, et après ça monte vers la flèche. Ah, qu'il faut garder à la maison. Oui, un truc qui sont arrachés. Voilà. Jamais un couteau qui arrive, me préserve. Ça, c'est mon œuvre, ça, c'est un appelé Jack. Déjà, le thème, c'est en langage, on dit amour comme lui. Ça veut dire l'orgueil. Pour dire que c'est des gens qui font du mal dans notre pays. Mais voilà, à
toujours se battre contre eux. C'est orgueil. Pourquoi j'ai mis un guéri pour dire ça. Ah, c'est magnifique. C'est bien fait. Guéri, guéri. Tu trouves qu'on est assez sensibilisé ici dans le Nord ? Sur le Nord, en tout cas, on n'est pas. Tant qu'il y aura des actions, c'est cool. C'est comme la sécurité. Oui. On n'est pas assez prudent, mais le gouvernement, c'est pareil. Toujours dire. C'est important. En tout cas, les mots sont très forts. On est tous coupables, comme il dit là. Leur dire que même s'ils sont loin de nous, de loin de la maison, mais de loin, tout le monde espère pour eux. Et qu'ils lâchent pas l'affaire. À la maison, il y a toujours une place. Ta force est à peine, tu transpires déjà pour elle. La boue est jusqu'au genou, mais il faut tenir le coup. Alors tu te perds dans ses cours, dans toutes ses branches pour un moment. Tu veux ramener un petit quelque chose à la maison. Oh yeah, pour papa, maman, pour nos couleurs, pour tous ceux qui suivent, pour tous ceux qui n'ont pas su le faire. Et pour le vieux dans son accent, il ne comprend pas tout, toutes tes galères. C'est toi qui les gères de loin, nous on espère. Mais que tu lâches ou pas l'affaire, à la maison y a toujours une place. Alors vas-y, donne, n'hésite pas, donne. Mon étudiant, garde-tu force. Oh, yeah. Respect, mec, en te formant.